Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est la suite du message précédent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de chacun de vous. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que Dieu ait compassion de nous, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu ait miséricorde. Amen. Car sa parole déclare que les premiers risquent d'être les derniers, les premiers. J'ai donné un message sur la chaîne Sophie Camara, coach chrétienne TV, que quelqu'un a supprimé, mais je remettrai le message. Amen. Soyez bénis. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tout ce que vous faites, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais délivrer le message. Donc, aujourd'hui, comme je disais, je vais délivrer le message de la part du Seigneur. Mais avant cela, je vais prier. Merci pour vous tous qui êtes là, qui, dans le secret, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte au-delà de tout. Merci, papa, parce que je suis encore là pour transmettre tes messages. Merci, papa, parce que la vie et la vie en Christ est un long chemin. Mais je suis contente de traverser ce désert, Seigneur, parce que ce désert forme, ce désert corrige, ce désert rempli d'amour, ce désert rempli d'amour, ce désert rempli d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, sois béni, Seigneur Jésus, à toi toute la gloire, l'élévation, la majesté divine, au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Donc, je continue la suite du message que j'ai donné tout à l'heure. Enfin, que j'ai donné précédemment. C'était le message, c'était le message qui concernait le rappel du Seigneur pour la restitution et en fait la révélation du Seigneur aussi. Parce que c'est ce que j'ai reçu durant le jeûne que nous avons fait. Ceux qui ont participé au jeûne n'étaient pas beaucoup. On avait commencé à 77 et le Seigneur a fait grâce de monter un peu. Donc voilà, que Dieu soit béni. Amen. Donc, je vais continuer aujourd'hui avec le prochain message du Seigneur par sa grâce. Donc, ça concerne le mariage. Ça concerne le mariage. Mais comme c'est la révélation, c'est pourquoi je viens sur cette chaîne de révélation. Parce que, pour ne pas mélanger en fait, parce qu'il y a le mariage là-bas, mais ça c'est pour... C'est pour ceux qui veulent se marier et tout, donc on avance ensemble. Mais la chaîne de révélation, c'est ici. Amen. Et je complète là-bas, il y a la chaîne de prière aussi. Donc, tout est ordonné. Amen. Donc, voilà. En fait, bien-aimés, comme je disais, nous sommes dans des difficultés terribles. En fait, c'est vrai que nous sommes sauvés. Je vais encore me faire taper sur les mains parce que les gens disent que nous sommes sauvés, le sang de Jésus a tout accompli à la croix. Donc, qu'est-ce que moi je viens raconter? C'est vrai que le sang de Jésus a tout accompli à la croix, que nous sommes sauvés. Que si nous mourons, nous partons au ciel. Mais avant de mourir, on a encore le chemin qu'on doit faire sur la terre. Est-ce pour cela que nous ne devons pas nous repentir? Est-ce que pour cela que nous devons nous comporter comme nous voulons? Nous devons faire tout ce que nous voulons et puis croire que Dieu qui est saint va nous accepter comme ça sans rien dire? Ah, ça... C'est un problème. C'est un problème chez beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas comprendre ce message-là et qui ne veulent pas l'accepter. Amen. Donc, moi, je continue à donner ce message. Ça concerne le mariage. Comment s'est passé ton mariage, en fait? Sur quoi est basé ton mariage? Amen. En fait... Durant ce temps de jeûne, comme je priais aussi pour que le Seigneur puisse rétablir les couples en difficulté et tout, parce que j'ai des gens qui m'expliquent aussi des choses et tout, il y a eu cette révélation aussi qui est venue, parce qu'il y avait la révélation sur la restitution qui est revenue, et il y avait aussi sur le mariage, il y a eu aussi sur d'autres choses que je dirai plus tard. Et sur le mariage, c'était quoi? Bien-aimé, je voyais un couple que je connais qui marchait. Il marchait, mais la femme marchait un côté, le mari marchait un côté.
Les deux prenaient deux directions différentes. Et dans mon sens, je disais, mais pourquoi ils prennent deux directions différentes? Puisque ils sont mariés, j'ai pas compris. Ils sont mariés depuis longtemps. C'est pas des jeunes mariés. Donc pourquoi ils prennent deux directions différentes? Amen. Et j'ai pas compris en fait pourquoi ils prenaient ces deux directions. Et j'étais en train de me poser la question. Vous savez que des fois dans le songe, on est dans le songe, mais on est dans le songe. Moi, je sais pas comment expliquer. Songe dans songe, en fait. Tu es dans le songe, mais tu es en train aussi de penser à comment et quoi. Donc, en fait, ton esprit en éveil, mais tu es en songe. Amen. Et c'est là que le Seigneur est en train de m'expliquer maintenant que ma fille, tu sais, j'ai dit que ma venue là va faire que mes enfants là vont se révéler. Ma parole va se révéler de plus en plus. Amen. Ma parole va se révéler de plus en plus. Et il m'avait donné le verset. Maintenant, le verset, je vais les écrire. Parce que, des fois, quand je dis, je mélange. Donc, parce que j'oublie. Et puis, il faut savoir que moi, quand je parle, je donne quoi. Je donne. Voilà, je donne. Maintenant, je n'écris plus comme ça et tout. Parce qu'après, si je n'ai pas mes cahiers, je ne me rappelle plus, je perds ou quoi. Donc, maintenant, j'ai dit au Saint-Esprit de me donner pour que je puisse donner. Amen. Donc, c'est ça. Il a dit au Seigneur que maintenant sa parole sera révélée. Comme dans Joël 2, 28 et puis dans Actes 2, 17, je crois. Mais il dit que sa parole sera révélée de plus en plus par la puissance. Il a des gens qu'il a choisis, qu'il a établis, où il va révéler sa parole maintenant parce que sa venue est proche. Amen. Donc, il a dit ça. Il a dit que quand il va commencer à révéler des choses encore plus cachées. Amen. Et c'est vrai qu'il m'a révélé des choses cachées. Amen. Jérémie 33, 3 est trop vrai. Trop vrai. Ce qu'il m'avait donné depuis mon premier témoignage, c'est trop vrai, bien-aimé. La parole de Dieu est trop vraie. Amen. Il m'a dit que mes enfants sont distraits. Mes enfants sont en train de chercher à se... Ils sont en train de chercher à se marier. Chercher à se marier à tout prix. Que c'est une bonne chose. C'est ma volonté. C'est moi qui ai établi le mariage selon mes commandements. Selon comment moi je désire que le mariage se fasse. Mais il m'a dit qu'il y a un problème. Qu'il y a beaucoup de ces enfants qui se sont mariés n'importe comment encore. Bien qu'ils connaissent la parole, ils se sont mariés n'importe comment. J'ai dit, Seigneur, ah, tu m'as déjà donné les messages sur le mariage de diminution des âges et quoi, tout ça. Tu m'avais déjà donné la restitution avant, j'ai donné. Tu m'as donné encore ça durant ce jeûne que de rappeler à tes enfants qu'il y a ça à faire. Mais encore ce mariage, je ne comprends pas. Il me dit, mais tu as vu mes deux enfants là? Ils sont en mariés. Mais l'un va à droite, l'un va à gauche. J'ai dit, oui Seigneur, que ça m'a même interpellé. J'ai été interpellé, je me suis dit, mais pourquoi ils prennent deux directions? Et puis c'est comme s'ils ne se parlent plus alors qu'ils sont ensemble. Amen. Et c'est là que le Seigneur m'a expliqué que, en fait, le mariage là, c'est un faux mariage. J'ai dit, hein, Seigneur? Il me dit, oui, c'est un faux mariage. J'ai dit, comment c'est un faux mariage, Seigneur? Seigneur, comment c'est un faux mariage? Je ne comprends pas. Et c'est là que le Seigneur m'explique maintenant que c'est un faux mariage. Pourquoi? Bien-aimé. Oh, bien-aimé, moi, je ne savais pas que Dieu m'avait appelé pour le salut des âmes, pour gagner des âmes pour lui. Qu'elle aime établir aussi pour amener ses enfants à corriger les mariages, tout ça. Et je ne sais pas qu'elle allait profiter de ça aussi pour me révéler sur les choses du mariage. Bien-aimé, comment t'es-tu marié? Comment t'es-tu marié? Amen. Comment t'es-tu marié? Amen. Tu t'es marié parce que tu es tombé amoureux ou tu t'es marié juste parce que tu voulais être dans un foyer. Amen. La question se pose pourquoi? Moi, je ne veux pas donner ce message-là. Parce que ce message, le truc des mariages, c'est un peu délicat. Surtout que nous qui ne sommes pas mariés là, et pour moi-même là, franchement, bref, je sais le Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas mariés, qui aspirent à se marier, quand ils parlent de mariage, c'est comme si c'est la jalousie. Ce n'est pas ça. Moi, j'aime les gens qui sont mariés. Parce que ça stabilise.
C'est pourquoi je me donne de toutes les forces sur les chaînes là-bas, de Sophie Camara, coach chrétien, mariage, tout ça là. Parce que le mariage stable, ça fait que tu arrêtes de pécher normalement, hein. Tu arrêtes de forniquer, la masturbation, tout ça stable. Donc moi, j'aime que les gens se marient. Amen. Mais là, le Seigneur m'envoie pour parler à ses enfants. Je dois délivrer. Comment t'es-tu marié? Le Seigneur dit que le fondement de mariage de beaucoup de ses enfants n'est pas bon. Amen. N'est pas bon. Pour ceux qui ont dit, par exemple, il y a ceux qui... Amen. Amen. Ça me fait penser à un frère. J'étais dans une église. Et un frère que j'aimais beaucoup, qui m'avait toujours dit, et puis il avait dit toujours à tout le monde, ce frère-là n'était pas marié depuis longtemps. Et puis on le taquinait, et moi je le taquinais aussi. Je lui disais, mais tu as l'occasion, depuis toutes ces années-là, je n'étais pas marié, pourquoi tu ne te maries pas et tout? Et il me disait, j'ai dit, mais il faut te marier, pourquoi tu peux te marier comme tu veux? Il me disait, non, que j'attends le temps de Dieu. Amen. Alléluia. J'attends le temps de Dieu. Et puis, je ne vais pas me marier n'importe comment pour que demain, là, je regrette. Ou bien, je ne vais pas me marier pour les mauvaises raisons. Et quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai pensé à lui. Il va, s'il écoute mon message, il va savoir, il va se reconnaître. Amen. Oui, bien-aimé, comment t'es-tu marié? Ce frère a refusé de se marier pour des raisons de confort, pour des raisons de quoi. Non, il a préféré attendre le temps de Dieu pour se marier. Amen. Il pouvait se marier depuis longtemps, mais il a préféré attendre le temps de Dieu. Amen. Et toi, tu t'es marié comment? Laisse-moi te dire en ce jour, bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoute-moi, bien-aimé. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Mon nom est sali partout. Mais écoute-moi. Parce que, hein, une chose est sûre, c'est que Dieu m'a appelé au ciel. Quand on mourra, le jugement de Dieu. Amen. Donc, écoute-moi, Dieu m'a dit, quand j'ai vu ces deux personnes aller à gauche, à droite, le Seigneur m'a dit que le mariage est faux. J'ai dit quoi? Les gens sont mariés depuis longtemps, comment ça, le mariage est faux? Il dit, le mariage est faux, nul. Le Seigneur a dit, c'est nul. Je dis nul, il dit, ma fille, c'est nul. Je ne reconnais pas ce mariage. Je ne reconnais pas ce mariage. Je ne reconnais pas ce mariage. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne reconnais pas ce mariage? Seigneur, explique-moi pourquoi tu ne reconnais pas ce mariage. Le Seigneur dit, tout mariage, en dehors des mariages qu'on a fait ou que vous faites là, où vous ne voulez pas respecter les lois de Dieu là, où Dieu dit qu'il faut aller voir les parents, soit les gens sont en train de m'insulter, que c'est du n'importe quoi, comment ça, c'est une perte de temps, quoi, là. En dehors de ça, Dieu dit, tout mariage qui a été fait avec tout ce qui est faux est un faux mariage. Et il va plus loin pour dire que tout ce qui a été fait comme mariage avec l'intention des pensées, c'est-à-dire que, hé, bien-aimé, laisse-moi t'expliquer ce que le Seigneur m'a dit, la révélation qui m'a choqué. Bien-aimé, en fait, quand le frère ou la soeur t'a pris comme, c'est pas l'homme qui marie, le soeur t'a pris comme femme. Quelle était ton intention, toi, pour qui il te marie? J'ai déjà donné le message sur le maraboutage que les filles font pour avoir les maris, mais moi, je croyais que c'était ça. Non, non, bien-aimé, il n'y a pas que ça. Dieu dit, le mariage que tu as fait, si tu as voulu te marier au frère et que dans tes pensées, tu t'es dit que, ah, moi, je le veux à tout prix, ou je la veux à tout prix, donc, il faut que je commence à changer ma manière d'être. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, méchante et que je sais que je suis comme ça,
Mais je vais camoufler pour que je puisse me marier. Si je suis menteuse, si je suis colérique, si je suis sorcière, si je suis, comment dire, c'est tout quoi, tout ce que vous voulez. Si ce n'est pas la vraie raison pour laquelle, ce n'est pas ton vrai caractère, mais que tu as caché ça pour te marier, moi je me limitais dans le mariage, c'est pas pour dire que si tu te, quand tu vas rentrer dans le mariage, ça va se compliquer, mais en fait ça va plus loin. Il y a condamnation si tu ne te réponds pas parce que tu as fait, c'est du faux. C'est du faux, c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. Le Seigneur dit que c'est du faux parce que ton intention n'était pas l'amour. Ton intention n'était pas que tu as vu le frère, tu le veux parce qu'il t'a vu avec tes qualités. Il t'a vu que tu es douce, tu es gentil, tu es agréable et tout. Il t'a vu comme ça alors que toi, c'était intentionnel que tu faisais ça, mais ce n'était pas ton vrai caractère. Ce n'était pas ta vraie manière, ce n'était pas ta vraie personnalité. Tu as menti pour que le frère te voie comme ça. Et le frère t'a vu comme ça et il a dit, ah, qu'elle est vraiment bien. Amen. Elle est vraiment bien cette fille, je vais la prendre pour la main parce que c'est l'homme qui marie. Et tu as traverti, comment on dit, c'est ça non? Travesti ta personnalité afin que tu puisses être marié. Amen. Donc, si par exemple, tu... Je sais pas, il y a plein d'exemples. Par exemple, Dieu n'a pas développé. Il m'a juste dit que tout ce que tu as fait qui n'est pas de toi, il m'a expliqué quand je demandais que tout ce que tu as traversé ton caractère, tu es méchante, tu es grave. Toi-même, là, on ne peut pas te supporter. Tu es insupportable. Tu es colérique, tu aimes la bagarre, tout ça. Et puis, tu as fait tout ça, tu as menti pour montrer que tu es l'ange descendu du ciel au frère. Et puis, le frère t'a épousé. Hey! Il faut que tu te répandes tôt parce qu'il y a problème sur ta tête. C'est vrai qu'il t'a marié. Et même le Seigneur m'a dit que tu peux même cacher ça dans ton foyer. Et dit que, oui, tu as réussi ton coup. Tu as réussi à te marier à tout prix. Tu as réussi à la voir. Donc, Dieu m'a dit que toi, tu te réjouis. Tu te réjouis. Donc, dans le mariage, ça peut ressortir. Mais aussi, il y en a qui s'est caché que ça ne va pas ressortir comme ça. Donc, le frère va toujours croire que tu l'as marié par amour. Alors qu'en réalité, en vérité, tu l'as marié sur un fondement qui est faux. Un fondement qui est biaisé. Un fondement qui n'est pas réel puisque ce n'est pas toi. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, mais ça là c'est grave. Parce que c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que, je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça, c'était une parole prophétique même sans savoir. J'avais dit que, on vit comme ça. On vit comme ça et tout le monde. C'est pas qu'on a des péchés cachés. C'était un message que j'avais donné, puis j'avais dit ça. On a des messages qui sont cachés encore en nous. On vit comme ça, mais il y a des choses qui sont cachées qu'on ne sait pas. Et puis, on ne se répand pas de ça. Amen. Ça là, bien aimé, ça va déboucher sur le troisième message que je vais donner. Si tu ne te réponds pas, je vais te dire que tu as un problème avec le Seigneur. Amen. Et je vais te donner le troisième message de ce qui peut être aussi la conséquence que j'ai vue. Amen. Donc, si tu t'es repenti, tu t'es marié sur un faux fondement. Parce qu'en fait, on croit que c'est les faux papiers, évidemment, que j'ai dit tout à l'heure, les faux papiers, les faux. Mais, et en plus, j'ai oublié, mais c'est cet esprit. Oh, j'allais oublier. Et en plus, tous ceux qui ont participé à ce mensonge, c'est-à-dire que si ta copine, ta maman, ton papa, ton ami, ton pasteur, ton copain, quand je dis le copain, celui avec qui tu marches, ou celle avec qui tu marches, ami proche, quoi, étaient au courant et qu'ils ont cautionné que tu ailles te marier en sachant que tu as travesti la vérité et eux-mêmes ils t'ont encouragé pour te dire, il faut te faire gentil, il faut te faire comme ci, comme ça pour que tu te maries là. Eux aussi doivent se repentir. Bien-aimé, moi le jeûne que j'ai commencé à faire quand Dieu m'a dit, moi je croyais que c'était que pour le monde. Déjà, comme je n'avais pas fait depuis longtemps, parce que je vous ai dit que j'avais coupé avec tout le monde, un jour plus tard, je dirai tout. Je ne vais pas dire quoi, mais je dirai pourquoi j'ai coupé. Amen.
Mais je dirai jamais quelque chose sur quelqu'un. Je vous ai déjà dit ça. Moi, j'accepte tout, mais je ne vais pas venir m'étaler, quoi. Parce que si je fais ça, moi-même, je pèche contre moi-même. Parce que je prononce le nom de quelqu'un, cette condamnation se retourne contre moi. Ça, c'est la révélation que j'ai eue du Seigneur. Je vais en parler une autre fois. Amen. Donc, du coup, c'est ça que je voulais te dire. Bon, les gens là doivent se repentir. Toi-même, tu dois te repentir. Et tu dois dire que voilà, excuse-moi, mais quand tu me mariais là, l'intention là, j'ai menti parce qu'en fait, voilà. Ce qui fait que tu m'as dit que même des fois, le mari là, il rentre dans le couple et puis il découvre une autre personne. Il est dépassé parce que la base a été faussée. Mais nous, on pense ça pour la rigolade en fait. Parce qu'on dit que ça va se corriger. Mais en fait, oui, il faut que tu corriges. Mais il faut que tu te répondes, il faut que tu dises à ton mari quelle a été l'intention de ce première pour ce mariage. Amen. Donc voilà, j'ai transmis le message. Que le nom de Dieu soit béni. J'espère que ça va pouvoir permettre à quelqu'un de pouvoir faire la repentance et que Dieu puisse agir. Amen. J'ai transmis le message. J'ai des messages à transmettre. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Ah, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit est en train de me dire, Saint-Esprit est en train de me dire que, merci Saint-Esprit, que aussi, Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a le mariage. Comment, il me dit qu'il y a l'intention aussi que tu as décidé que tu vas tomber enceinte pour te marier. Voilà la révélation encore. Voilà ce qu'il est venu ajouter dessus. Moi-même, je ne veux même pas penser à ça. Il vient de me dire ça à l'instant là. Que tu es parti te marier là, tu as menti, mais tu as préparé que tu pour tomber enceinte pour qu'il te marie. Mais que tu as préparé, ce n'est pas volonté. Tu as préparé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parti ensemble et puis tu es tombé enceinte comme ça. Non. Que c'était la volonté de Dieu. Tu es tombé enceinte parce qu'un enfant est venu, hein, tu es tombé enceinte. Mais non, c'est toi qui as préparé ce coup-là. Oui, amen. Voilà, il m'a dit d'expliquer bien. Donc voilà, amen, papa, amen. Donc du coup, je suppose que c'est que comme tu voulais te marier, amen, comme tu voulais te marier, tu as pris une grossesse pour bloquer le frère. Alléluia. Tu as pris une grossesse pour bloquer le frère pour qu'il te marie. Mais ce n'était pas une grossesse qui est venue. C'est une grossesse que tu as calculée. Amen. Alléluia. 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 Cet esprit dit que c'est une grossesse que tu as calculée volontairement. C'est-à-dire que tu as calculé de tomber enceinte volontairement. Et tu es tombé enceinte volontairement pour bloquer le frère. Tu dois avouer au frère que c'était intentionnel cette grossesse. Parce que tu l'as bloqué. Amen. Le Seigneur est en train de me dire aussi que comme tu l'as bloqué deux fois, ça fait que peut-être qu'il y avait des projets qui devaient se passer. Mais comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, tu as bloqué, tu as saturé. Tu as saturé ce qu'il avait prévu de faire peut-être pour son fils. Amen. Père, il faut que tu m'expliques ça après parce que ça là, tu m'as donné ça comme ça, mais je ne sais pas. Hein? Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça veut ici. S'il y a plus. Parce que comme je viens de recevoir ça. Amen. Donc, en tout cas, il faut que tu te répondes de ça parce que la grossesse n'était pas intentionnelle. C'est une grossesse que tu as calculée d'après ce que cet esprit m'a dit pour tomber enceinte, pour bloquer le frère. Il faut que tu te répondes aussi. Mais comme il vient de me donner ça à chaud comme ça, peut-être qu'il va me donner après encore plus la révélation après. Amen. Donc, voilà, j'ai transmis. Soyez bénis. Ou il est en train de me donner encore d'autres choses. Soyez bénis. Et je vais refaire d'autres messages. Soyez bénis. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Père, j'ai transmis ton message. Sois béni au nom puissant de Jésus. Aide tes enfants partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Amen.